Madame, messieurs, bonsoir. Nous sommes sur le plateau aujourd'hui avec des hauts responsables du ministère de l'Éducation pour vulgariser auprès du public un nouveau projet qui a été lancé, qui va durer 5 ans. C'est le projet transformateur de l'école djiboutienne et qui va s'étaler sur 5 ans jusqu'en 2024. Ce projet, dans les travaux de préparation ont duré 2 années, sera mis en œuvre pour améliorer le système éducatif djiboutien, notamment pour préparer les futures générations, les futurs citoyens, ainsi à participer au développement du pays. Une école destinée à augmenter l'indice de développement humain à travers la valorisation du capital humain, et ceci pour atteindre les 4e objectif. Les axes de ces projets sont nombreux, les piliers aussi s'étalent sur 3 axes, à savoir la scolarisation universelle, l'amélioration de la qualité de l'enseignement ainsi que le pilotage de ces projets transformateurs qui est soutenu par de nombreux partenaires dans la Banque mondiale. Pour commencer, je vais essayer de vous présenter les hauts responsables du ministère de l'Éducation qui sont ce soir sur le plateau pour vulgariser auprès de vous le nouveau projet transformateur de l'école djiboutienne qui est très attendu par la population et qui sera bénéfique à la population sur l'ensemble du territoire djiboutien. Mon premier invité donc, c'est M. Saïd Nouh, directeur général du CRIPEN. Monsieur, bonsoir. Deuxième invité, c'est Mme Aïcha Farah El-Tiré, directrice générale du CEF de l'enseignement. Mon troisième invité, donc, c'est M. Abdi Derif, directeur général de l'enseignement. Bonsoir, M. Abdi. Et enfin, nous avons M. Saleh Alouane, je dis bien Saleh Alouane, directeur général de l'administration de l'éducation, du ministère de l'Éducation. Monsieur, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, ce projet, un projet innovateur, comme son intitulé l'indique, c'est un projet qui va durer 5 ans. Il y a 3 axes, c'est défini sur 3 axes pour la mise en œuvre, ainsi que beaucoup de piliers. Mais pour commencer, je vais poser ma question, parce qu'un tel projet mérite réflexion, préparation, conception. Donc, concernant la genèse de ce projet. Ce projet a été conçu à partir du colloque de qualité qui s'est déroulé au Palais du Peuple au mois de décembre 2016. Ce colloque, en fait, a été un peu la suite des différentes réunions, des rencontres qui sont déroulées dans les établissements scolaires. Il y a eu des rencontres entre parents, enseignants, élèves, et décideurs et responsables administratifs et pédagogiques dans les établissements scolaires pour discuter sur la qualité de notre système éducatif. Et suite à ces rencontres participatives, il y a eu le colloque qui s'est déroulé au Palais du Peuple. Et dans ce colloque a été discuté plusieurs points, comment améliorer la qualité de notre système éducatif. Et à l'issue de ces rencontres encore, au niveau du colloque, ces rencontres participatives où beaucoup, les bailleurs de fonds, les responsables, des décideurs politiques, des responsables pédagogiques, administratifs, de hauts responsables du ministère, des parents d'élèves se sont rencontrés. Il y a eu des recommandations. Des recommandations pour que notre système éducatif puisse avancer au niveau de la qualité. Et ces recommandations, c'est suite à ces recommandations que ce projet transformateur a été mis en place. Ce projet transformateur qui va transformer notre système éducatif dans les 5 ans. Et donc, c'est à partir de là que ce projet a été conçu. Mon collègue Salah également va ajouter, mais c'est un projet que le ministère de l'Éducation nationale a porté dès le début jusqu'à 2024 et que ce projet-là va nous mettre en place une école djiboutienne, une école complètement transformée. D'accord. Très bien, donc c'est la genèse, comment le projet a démarré. Maintenant, je crois que si mes informations sont bonnes, le projet a déjà démarré depuis février, je crois.
Pour la mise en œuvre de ces projets, il y a plusieurs axes qui ont été définis et certains piliers. Mais c'est ça, par exemple, concernant la scolarisation, c'est l'un des points importants. Comme mon collègue Abdil a dit, c'est un projet qui est à la base, c'est un projet à laquelle l'ensemble de la société djiboutienne a pris part. Un des objectifs, c'est la scolarisation de l'ensemble des enfants vivant sur le territoire du pays, sans distinction. Et pour y parvenir, maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre en place des mesures. Et parmi ces mesures, nous allons, dans un premier temps, aller, déjà le ministre l'a fait l'année dernière, dans sa tournée, dans les régions où il est parti, il est allé à la rencontre des populations rurales qui sont dans les zones les plus reculées. Et là, nous allons nous aussi aller dans ces régions, discuter avec les OCALs, les responsables des régions, les chefs coutumiers. Et l'objectif, c'est d'avoir des plans stratégiques de scolarisation pour chaque sous-préfecture. Nous, on veut aller vraiment vers les régions. Parce que quand je dis région, ce n'est pas seulement région, mais aussi pour Djiboutiville, ce sera les communes. Pour chaque commune, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir scolariser l'ensemble de ses enfants. Nous sommes aujourd'hui, au niveau de scolarisation, au-delà de 80%. Les enfants qui restent, on le sait, ce sont ceux qui sont les plus difficiles à chercher. Il s'agit des enfants des nomades, comme je disais, les zones les plus reculées, mais aussi à Djibouti, les enfants des réfugiés, les enfants des migrants et bien sûr les ABS pour lesquels on a, mes collègues vont en parler, quelque chose de spécial parce que là vraiment c'est un type d'élève très spécial pour lequel on va mettre en place des mesures spécifiques. Et donc si j'enchaîne avec les ABS, pour les ABS, il y a déjà eu, le ministre a envoyé des commissions, des équipes qui sont parties voir dans les régions pour discuter avec les parents. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment les listes de ces enfants et en conséquence préparer, même à Djibouti ça existe, mais dans les régions, des écoles spécifiques pour ces enfants. Et spécifiques, pas pour tous les ABS, parce qu'il y a plusieurs types d'handicap. Il y a des enfants avec des handicaps légers. Cela, nous comptons les mettre, les scolariser dans nos écoles. Les écoles, c'est ce qu'on appelle l'école inclusive. Il faut que cet enfant puisse être avec ses autres camarades. Mais par contre, pour les handicaps lourds, et là, il faudra des écoles spécifiques. Et c'est pour cela, vraiment, c'est pour ces enfants que nous sommes en train de préparer des écoles spécifiques dans chaque région. Mmh. Et bien sûr, pour y parvenir, il y a aussi, Saïd, mon collègue va en parler, les manuels. Un travail sur les manuels est fait. Ma collègue Achela, elle va en parler au niveau de la formation. Donc, on est en train de tout préparer pour que ces enfants puissent venir, pour que ces enfants puissent être scolarisés dans les meilleures conditions. L'objectif est noble. C'est aujourd'hui, nous sommes à 80% pour les enfants éduqués. L'objectif, c'est d'arriver en 2024 à 100% d'enfants scolarisés sur toute la République de Djibouti. Donc, je crois qu'il faudra des moyens, il faudra des accueils aussi. Qu'est-ce qui est prévu pour cela? Dieu merci, les moyens sont là. Ce qu'il faut, c'est bien sûr, c'est construire, c'est équiper, c'est mettre en place tous les moyens qu'il faut. C'est que toutes les écoles aient à la fois l'électricité, les écoles rurales, on installera le solaire, on mettra aussi les adductions d'eau pour les écoles. Il n'y a pas beaucoup d'écoles. On est autour de 10 écoles où il manque d'adduction d'eau. Nous parlons des écoles où l'eau est présente, il faut juste faire une adduction d'eau. Par contre, il y a des écoles où il y a un travail à faire et pour ça, vous savez, le gouvernement est mobilisé là où il y a un problème d'eau. Travailler aussi sur les dortoirs dans les rurales pour que les enfants qui viennent des zones éloignées par rapport à l'école puissent rester à l'école et bien sûr renforcer aussi la cantine qui est là, qui est présente. Encore. Toutes ces mesures sont là et donc aujourd'hui, nous avons les moyens. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en train de dire que notre objectif, c'est de scolariser l'ensemble des enfants dans une école inclusive
et de qualité. Les moyens sont là, les structures d'accueil seront mises en place certainement d'ici 2024 et même plus noble encore. Je crois que Djibouti peut se targuer de scolariser tous les enfants et ABS, enfants à besoins handicapés, même les enfants des migrants et des réfugiés. Tout cela a une finalité, c'est d'arriver à 100%. Mais pour arriver à ce stade, je crois que des efforts seront fournis concernant la qualité de l'enseignement. L'un des axes prioritaires, Madame Aïcha, c'est la qualité de l'enseignement. Quel est le contenu de cet axe-là? Sur l'axe de la scolarisation, il y a un point ici qui n'a pas été évoqué. Ce sont les jeunes enfants qui sont en partie scolarisés au préscolaire. Ah oui, d'accord. Ça aussi, c'est un public important. L'école djiboutienne veut donner toutes les chances à ses élèves. Et donc, ils seront pris en charge également dans le cadre de cette transformation de l'école que le ministère de l'Éducation nationale vise. Et donc, par rapport à cet axe, il y aura un point important qui sera la formation des enseignants. Il faudra préparer tout le programme et au niveau des curricula aussi, il y a un travail important qui est en train de se préparer. Au niveau des salles de classe, mon collègue Salah en a parlé, il faudra aussi prévoir les locaux pour ce jeune public. C'est un axe qui, aujourd'hui, nous considérons au ministère de l'Éducation nationale prioritaire. Parce que c'est un sous-axe plutôt qui va nous permettre de préparer les jeunes élèves qui vont arriver à l'école primaire, puisque c'est là qu'ils vont apprendre leur métier d'élève. Et nous allons là aussi, nous avons commencé à mettre les moyens et les stratégies pour y arriver. La stratégie a été conçue. Le programme était déjà là, mais il va être révisé pour être, aux normes internationales. Pour la formation, déjà, nous étions dans cette position de préscolaire, et donc les jeunes élèves, professeurs qui sont au centre de formation, en formation initiale, sont préparés, formés pour prendre en charge les élèves du préscolaire. Et au niveau de la formation continue, nous mettons en place des modules de formation pour le public qui est déjà sur le terrain, puisque comme chacun le sait ici, nous avons deux écoles pilotes dans la capitale, à savoir l'école de Hodan et l'école Nassib, qui accueillent déjà des jeunes élèves pour le préscolaire. Et sans oublier les régions, qui ont aussi des classes préscolaires qui fonctionnent déjà depuis quelques années. Donc tout ceci pour encore renforcer cet axe de la scolarité. Comme mon collègue vous l'a expliqué, personne n'est laissé sur la route. Tous les enfants qui vivent sur le territoire, même en étant en jeune âge, vont être scolarisés d'ici les 5 années qui arrivent, Inch'Allah. Donc, pour aller à l'école, ce sera l'enseignement préscolaire qui sera généralisé. Donc, c'est le sous-axe de la qualité de l'enseignement. De la scolarité. Mm-hmm. Mais soyons quand même justes, ça va s'étaler, bien sûr, comme toutes nos activités sur les 5 années qui arrivent. Nous allons commencer déjà, en plus des écoles et des classes qui existent, à la rentrée prochaine, il y en aura d'autres qui vont voir le jour, et ainsi de suite jusqu'en 2024. Pour revenir à l'axe de la qualité, sur cet axe hautement important, parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation sans la recherche de la qualité. Et donc, la qualité des enseignements-apprentissages va être au cœur de ce projet, de cette transformation de l'école djiboutienne. Le renforcement des capacités des personnels, puisque sans le renforcement des capacités, sans la formation des différents personnels, il ne peut y avoir de qualité. Il y a aussi le volet évaluation qui occupe une place de choix sur ce volet-là, où il y aura toujours les évaluations, comme vous le connaissez, les OTI, les BEF, tout ceci.
Mais il y a aussi, depuis 2 ans, nous avons mis en place des évaluations qui nous permettent de cibler certaines parties du programme, qui nous permettent de vérifier l'acquisition de ces connaissances pour un certain public. Et ça aussi, c'est une nouveauté. La modernisation accompagne ce volet fortement, puisque les conseillers pédagogiques qui sont chargés de mettre en place ces évaluations sont outillés. L'outil principal, c'est la tablette qui leur sert de support et qui permet aussi d'avoir les résultats à temps voulu. Sur ce volet-là, il y a aussi un pôle qui concerne les leaderships, c'est-à-dire les chefs d'établissement, puisque une fois que les évaluations sont faites, les résultats doivent être remis aux parents via les chefs d'établissement, et donc renforcer les leaderships des chefs d'établissement est très importante. Moi, je reviens à la partie qui concerne fortement le centre de formation, c'est la formation des différents publics. Et donc, nous avons planifié la formation de 3 acteurs clés du système éducatif, à savoir l'enseignant, le conseiller pédagogique qui est chargé de l'encadrement des enseignants, et le chef d'établissement qui a aussi une casquette de conseiller pédagogique. Et donc, le renforcement de tous ces publics-là, qui ont toujours été formés, mais qui vont, dont la formation va être renforcée, fait partie intégrante aussi de ce volet-là. Lorsqu'on rejoint les corps enseignants, je crois qu'il y a des dispositions et des critères fixes. Comment vous allez renforcer ? Cela fait partie aussi de la transformation de l'école djiboutienne, qui recrute maintenant ses enseignants, non plus sur la base du baccalauréat, mais sur la base de la licence. Et donc, nous avons voulu revoir à la hausse le niveau académique des jeunes qui vont être recrutés. C'est déjà un point. La maquette de formation initiale a été revue, et elle a été revue en termes de qualité, pour répondre au mieux aux attentes de la société, pour répondre au mieux aux nouveautés, parce que la pédagogie est quelque chose qui évolue avec de nouveaux moyens tels que la technologie. L'ETIS occupe une place de choix dans la formation. Les langues sont renforcées puisque maintenant le ministère de l'Éducation nationale a instauré le fait que nos jeunes élèves apprennent l'anglais dès la classe de 3e année, au même titre que l'arabe. Donc nous nous projetons de former un citoyen de demain qui sera à terme, nous l'espérons beaucoup, trilingue. Et donc tout cela a fait que le niveau soit revu à la hausse. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Le niveau aussi des formateurs a été revu à la hausse. Et donc aujourd'hui, au centre de formation, évoluent des formateurs qui ont le niveau master ou sont en passe d'avoir ce niveau-là. Et nous avons même des formateurs qui ont pour beaucoup le doctorat. Donc nous tendons vers cette qualité et justement la formation occupe cette place importante et nous avons revu tous les critères à la hausse. D'accord. Très bien, donc c'est un peu éclairé. Donc je vais passer à M. Saïd. Il y a d'autres questions que je vais poser, mais concernant la révision des curriculum d'État. Vous, est-ce que vous pouvez nous informer sur... Parce que vous êtes directeur du CRIPEN, voilà. Je précise pour le public, là où sont confectionnés tous les livres et tous les outils didactiques. Voilà. Merci Youssouf. La révision des curricula est une priorité nationale et vraiment c'est au cœur de la transformation de l'école et que nous projetons. Et là, bon, la révision des curricula, et d'abord, il y a eu une refonte du curricula en 2001, et suite à cette refonte, le curricula a été un nouveau curricula qui est adapté
au pays a été mis en place et qui répond aux attentes de la société djiboutienne. Et du coup, donc, dans la foulée, nous avons eu tous les manuels, conçu tous les manuels. Nous avons eu la chance de concevoir tous les manuels scolaires de la première année jusqu'en terminale, toutes séries confondues. Et on peut se targuer maintenant que Djibouti est parmi les premiers pays africains à avoir ces ressources éducatives, vraiment pédagogiques, made in Djibouti, et de là, autonomie éditoriale dans la conception des manuels, etc. Et tous ces manuels ont été conçus depuis, ça fait 20 ans qu'on travaillait sur ça, progressivement, donc tout a été conçu. Maintenant, pour renforcer et mettre notre école en phase avec l'évolution du monde, avec répondre de façon vraiment pointue aux attentes de la société, également des impératifs de développement maintenant qui est à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Donc là, la révision s'est imposée. C'est imposé, même si nous avons le meilleur manuel du monde. Et maintenant, ce qu'on a émis, c'est une révision. Une révision en quoi, suite au colloque en 2016, il y a eu des recommandations, comme vient d'évoquer Monsieur le directeur général de l'enseignement, qu'il y a eu des recommandations qui vont dans ce sens. Dit que vraiment, c'est si on veut relever la qualité, il faut quand même aussi voir quels sont les domaines qu'on va toucher pour relever. La lecture, comment faire? La révision, donc les orientations institutionnelles qui ont été, que nous avons suivies, c'est renforcer la lecture, donner une place de choix toutes les disciplines scientifiques. D'où renforcement en termes de volume horaire, renforcement également aussi en mettant le physique et chimie en sixième, alors que ça commence en huitième année. Et également aussi donner une place importante aux langues. Et l'anglais maintenant a commencé à être introduit en troisième année. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons dans un coin de cette planète où on est entouré de pays arabophones et anglophones. Au même titre que l'arabe, on avait renforcé l'anglais, et c'est une bonne chose. Les élèves maintenant de troisième année étudient l'anglais, ils ont 2h30 par semaine. Par semaine. Et vraiment, j'en passe. Donc, il y a également aussi les TIS. Il y a les nouvelles technologies d'information qui sont vraiment on donne une place de choix dans les curricula. Parce que maintenant, dans le monde actuel, si on ne maîtrise pas le numérique, c'est comme si on n'est pas alphabétisé. Les élèves de jeune âge, en première année, avec l'initiative du président de la République en 2014, il y a eu l'introduction des tablettes dans les écoles. Et également, nous avons eu une expérience d'utilisation de TIS dans nos classes, mais cette fois, il fallait l'inscrire dans le curriculum, que ce soit quelque chose qui est officiel, qui a sa place. Donc, que ce soit dans les petites classes ou les tableaux, maintenant, la tablette est officiellement doit être utilisée dans nos classes. Donc, ça apparaît dans l'emploi du temps, ça a une place importante dans l'emploi du temps. Et également, là, en sixième, les élèves vont apprendre l'informatique, à initier l'initiation informatique. Donc, c'est déjà pour impulser et donner une place importante. Donc, le curriculum, c'est un curriculum adapté, moderne, à l'ère du temps, et qui doit renforcer la qualité. L'évaluation, j'insiste un peu sur le préscolaire, qui est vraiment la qualité. Pour renforcer la qualité, c'est un point très important. Et là, le CRIPEM va revoir aussi le curriculum, et également tous les outils qui permettent aux élèves
les élèves de 5 ans sont scolarisés chez nous, donc, et ça va être progressivement généralisé et, pour que ça prenne de l'envergure. Je crois qu'une plateforme informatique va jouer un grand rôle pour la réussite de ces projets qui, la finalité, c'est d'avoir une école moderne aux normes internationales. Au niveau de la révolution numérique qui est en cours au 21e siècle, dans de nouveaux projets, je crois qu'il y a un axe très important concernant la plateforme informatique qui sera mise en place au niveau de l'éducation. Donc il y a une plateforme qui va gérer à la fois bon, les contenus numériques et que nous disponibilisons. Ce que je n'ai pas ajouté, c'était dans mon intervention précédente, c'était que les manuels qu'on va disponibiliser seront des manuels en papier et en numérique. Les donc deux sera généralisé. Oui. On aura de manuels numériques généralisés. Cette année, nous avons commencé la mise en œuvre en première année. L'année prochaine, ce sera en deuxième année et sixième. Chaque année, nous aurons deux niveaux et chaque fois, tous les manuels seront numériques. Et les élèves pourront voilà. Je crois que l'école du Boussin peut se targuer d'avoir les manuels éducatifs voilà. Au niveau de l'enseignement supérieur, voilà, y compris l'université. Voilà. Donc ce sera numérique et également, donc c'est grâce, il faut des outils, une plateforme qui puisse déjà donner accès aux élèves et à toutes ces ressources. Il y aura également aussi l'administration, les remontées d'informations. Et la gestion du quotidien et de l'administration des écoles auront également cette plateforme qui va à la fois répondre à tous les soucis pédagogiques et tout ce qui est d'intérêt pédagogique, mais également aussi d'administration, relations aux parents, etc., etc. Plateforme vraiment très importante avec un data center qui va être installé au CREPEN et qui va interconnecter toutes les écoles. C'est dans les projets, et le data center, mais également aussi l'hébergement de cette plateforme qui vraiment prend de l'envergure, qui est vraiment très importante. Dans laquelle il y a beaucoup d'éléments nouveaux et sera un axe très important. Il y a même une possibilité de donner l'éducation aux enfants par le système e-learning, on l'appelle, je crois même. C'est qu'au niveau du ministère, il y a des plateformes. Il y a, on va dire, plusieurs applications. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de faire de toutes ces applications, c'est une grosse plateforme où tout sera centralisé, communiqué. Donc, ça aide à parler de e-learning. Il y aura aussi, au niveau du CFF, pour la partie formation des enseignants. Il y aura aussi pour la direction générale tout ce qui est gestion, ce qu'on appelle nous les MIS, gestion des élèves. Il y aura aussi pour nous au niveau de la DGA tout ce qui est gestion des ressources humaines, ressources financières et planification. Donc on veut une plateforme, une seule, qui va nous permettre de gérer l'ensemble de ces données-là. Les deux personnes les plus importantes sont l'enseignant et l'enfant. Et donc et cette plateforme est pour nous aussi, va nous aider dans même la scolarisation, vraiment de manière très importante, dans la qualité, mais aussi dans la scolarisation. La scolarisation, aujourd'hui, au niveau des écoles primaires, cet identifiant est créé par les directeurs de l'école. Et ce qui fait que quand l'enfant va d'une école à l'autre, etc., on n'arrive pas à suivre la scolarité de cet enfant. Désormais, les directeurs devra inscrire l'enfant, mais l'enfant, c'est-à-dire qu'il va inscrire dans la plateforme l'enfant. L'enfant de première année ou du préscolaire sera inscrit sur la plateforme. Et c'est la plateforme qui va lui donner un identifiant. Donc un enfant, un identifiant. Et cet identifiant l'enfant va le garder tout au long de sa scolarité. Tout au long. Du préscolaire jusqu'à, en tout cas, pour nous jusqu'au bac, mais éventuellement par la suite, si l'enseignement supérieur veut le garder, c'est un identifiant qu'il pourra garder. Cet identifiant va nous permettre, j'ai dit, de scolariser, mais aussi de garder l'enfant. C'est la rétention. Aujourd'hui, de suivre la scolarité de l'enfant. Si on voit qu'un enfant est en train de décrocher, cette plateforme va nous les signaler. Donc on peut voir pourquoi, etc. Donc aussi bien pour nous,
pour le directeur et au niveau central, au niveau local, on pourra suivre la scolarité des A à Z. Cet outil aussi doit permettre aux parents aussi de suivre la scolarité de leur enfant. Parce qu'on va donner à chaque parent ce qu'on appellera les mots de passe. Ça existe déjà au niveau des lycées et donc on va généraliser ça. Et ça permettra aux parents de suivre la scolarité de son enfant. Il va pouvoir consulter les résultats de son enfant, les absences, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose de moderne qui va, donc, comme je dis, va nous permettre de scolariser, mais surtout de garder l'enfant. Aujourd'hui, scolariser, c'est pas très difficile, mais le plus difficile après, c'est garder cet enfant dans l'école. Et donc, voilà l'identifiant. Après, bien sûr, autour de la plateforme, il y aura aussi, au niveau du pilotage. Oui, et avant de venir au pilotage, dans la plateforme aussi, il y a un système d'enseignement e-learning qu'on n'a pas développé. E-learning, il en a parlé un peu. Va un peu nous va expliquer. C'est une cartable virtuelle auquel les élèves vont se connecter, accéder pour avoir les contenus. Mais également aussi, c'est une plateforme d'échange. L'enseignant pourra également aussi poster de cours, adresser un cours à l'élève, mais également aussi mettre aussi de contenu pour renforcer ses acquis selon le niveau des uns et des autres. Donc c'est, la plateforme va jouer, va apporter beaucoup. Oui, va apporter beaucoup et en plus. Et nous avons expérimenté une plateforme dans ce sens. Bon, on a fait plusieurs, mais celle-là, c'est ce qu'on avait appelé cartable numérique. Nous avons mis des contenus numériques, nos manuels numérisés, mais également aussi nous avons mis des contenus pour l'enseignant, pour que l'enseignant renforce son enseignement. Et il aura des enseignements autres que c'est enrichir l'enseignement, mais également aussi pour les élèves, pour renforcer leur apprentissage. Comme ça, l'élève qui a tel niveau, donc il doit aller visiter tel contenu et travailler dessus, et l'enseignant doit les suivre. Donc on avait mis, c'est ça. Bon, oui. C'est qu'on va mettre... Je parle sous votre autorité, mais peut-être que le classe et Smart Room dont on parlait, oui. Est-ce que cela va renforcer ça, je bon, crois. Ça, je vais donner un peu d'informations sur ça. Bon, nous avons de Smart Classroom, ce sont des salles spécialisées, où il y a un tableau interactif, tableau intelligent, avec les élèves à la disposition, ils ont des mini-laptops. Il y a des logiciels qui permettent de communiquer entre les élèves et le tableau. L'enseignant pourra avoir la main pour donner la parole, comme d'habitude, à chaque élève, à l'élève qui doit répondre. Et à partir de son mini laptop, l'élève donne le résultat et le résultat apparaît sur le tableau. Et il peut enregistrer également tous les cours qui ont été développés au niveau du tableau. L'élève peut enregistrer également aussi. Donc c'est, voilà. Nous avons actuellement 82 Smart Classroom qui sont déployés dans les écoles. Et donc ce déploiement va s'étendre encore davantage dans tous les... Grâce au nouveau projet. Voilà. Non, mais chaque année, c'est déjà... C'est oui. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres axes qu'on n'a pas traités dans la qualité, concernant les Smart Classrooms, les Smart Classrooms ne sont pas seulement pour les collèges, pour les lycées, même les écoles primaires. C'est-à-dire, dans les petites classes, en classe de 5e année, les enfants peuvent travailler avec l'ordinateur, avec un tableau interactif. Et donc, ça fait un tout, primaire, collège et lycée, mais également la ville et la région. Donc c'est un tout, ça fait partie aussi du développement de TISC qui vient d'être dit il y a un instant. On va peut-être, il y a un point que je voulais revenir pour compléter mon collègue Sarah, c'est le pilotage des établissements. Mm-hmm. Là, tout à l'heure, vous avez soulevé le cas de pilotage. Oui, c'est ça. Oui. Avec cette plateforme, voilà. On va parler de pilotage, mais surtout pour les chefs d'établissement. Parce que les chefs d'établissement, non seulement... les écoles commencent à devenir beaucoup plus nombreuses et les chefs d'établissement doivent être outillés pour d'abord analyser les résultats des élèves, mais également pour montrer un peu
eux-mêmes, non seulement on évalue les élèves, mais également on évalue les chefs d'établissement. Et donc, pour qu'ils doivent être beaucoup plus performants, ils doivent être outillés avec ces plateformes, ces outils numériques. Ce qui est intéressant également avec cette école qui sera transformée, c'est la participation des parents. Pas la participation des parents parce qu'ils sont là aujourd'hui sur le conseil de classe, on les appelle, non. Ils vont participer à l'analyse des résultats des élèves. En conseil de classe, les enseignants sont là, les résultats des élèves sont là. Certains parents vont participer à ce conseil de classe pour voir les résultats des élèves. Et pour décider ensemble avec les équipes pédagogiques, pour dire voilà, cet enfant avance, peut-être cet enfant a des difficultés, comment ça se passe. Les parents peuvent donner des informations que les pédagogues n'ont pas. Parce que tout simplement, c'est le voisin et il peut dire, voilà, parce que l'enfant, depuis quelques années, quelques jours, les parents ne sont pas là, ainsi de suite. On peut... Donc cet échange, c'est l'ouverture des parents au conseil des établissements. Donc le rôle des parents dans la nouvelle grille de l'éducation sera renforcé. Et le ministre de l'Éducation, Mustapha Mohamed Mahmoud, il insiste à ce que les parents participe à la décision de l'école. Et tant que les parents ne participent pas à cette décision de l'école, cette école sera beaucoup plus encore transformée. Voilà, donc le message est passé, je crois. Donc on va passer au thème des pilotages de ces grands projets innovateurs qui va révolutionner l'école djiboutienne. Donc, M. Saleh, on va revenir au pilotage de ces grands projets. Je précise tout de suite pour le public que la finalité de ce projet, c'est de scolariser l'ensemble des enfants qui vivent sur le territoire djiboutien avec un enseignement de qualité. Mais au niveau du ministère de l'Éducation ou bien de vos partenaires, comment vous allez piloter durant 5 années ces grands projets innovateurs de l'école djiboutienne? Le projet, comme on a dit plus ou moins, sera, enfin, pour le pilotage, on va avoir déjà, comme je dis, une plateforme vraiment dans laquelle nous aurons tout ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale. Ce qu'on cherche, c'est qu'aujourd'hui, il faut chercher les informations. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir les informations en temps réel, que ce soit pour les décideurs, ou que ce soit pour les directeurs d'école, ou que ce soit pour les parents d'élèves, tout ce qui concerne cet enfant-là. Il y a aussi toujours dans cet axe-là, toujours, ça va, comme je l'ai dit, ça va nous faciliter extrêmement la gestion des flux des élèves. Il y a aussi, enfin, toujours dans ces pilotages, tout ça, il y a des hommes et des femmes. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de former, c'est le renforcement des capacités. Pour nous, c'est très important. Il faut, pour avoir, on a parlé des formations des enseignants, on a parlé aussi des élèves, des chefs d'établissement, mais il faut qu'on forme aussi les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, c'est-à-dire il faut que tout le monde soit à un degré de formation hautement qualifié pour que l'école djiboutienne réponde aux normes standards internationales. Aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est de tirer cette école vers le haut. C'est une école, on a dit, inclusive et de qualité. Et on a parlé parmi ça, on avait parlé des évaluations. Ce que Mme Aïcha avait parlé, ce sont les évaluations qu'on appelle les évaluations ponctuelles. Ces évaluations doivent nous préparer dans les prochaines années à participer à ce qu'on appelle les évaluations internationales. Ça va nous permettre de voir, aujourd'hui on est entre nous, mais ces évaluations vont nous permettre de savoir à quel niveau nous sommes situés par rapport aux villes. Voilà. Donc Aïcha va peut-être... Oui, au niveau national, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les évaluations nationales. Ce que nous nous projetons de faire au-delà de ces évaluations ponctuelles, c'est de participer aussi à terme à des évaluations internationales qui nous permettront de nous mesurer à d'autres où nous en sommes au niveau national, puisque ce sera par rapport à des normes internationales. Donc ça, c'est quelque chose que nous visons aussi. Si je reviens un petit peu au niveau de cet axe pilotage, c'est un pilotage que nous avons déjà voulu axer sur les résultats. C'est ce que nous appelons la GAR.
Et donc, l'exigence, si nous optons pour la gare, nous avons opté déjà pour la gare, c'est que nous devons nous donner des outils. L'outil, ce sera cette plateforme qui nous permettra d'avoir toutes les données au niveau qualitatif et quantitatif qui nous permettront une meilleure gestion des flux aux écoles, une meilleure gestion de nos établissements publics, une meilleure gestion de notre personnel, savoir quel personnel a reçu une formation, à quel moment, et à terme, de prendre des décisions, puisque nous avons toute une panoplie d'informations et sur nos personnels, sur notre matériel, et sur nos élèves et sur nos établissements. Donc, en cela, c'est un axe hautement important qui, comme l'a dit mon collègue, le directeur de l'administration générale, va nous obliger à former aussi, à renforcer les capacités des personnels, parce que au niveau national, c'est une vérité aussi. Nous devons miser sur les capacités de nos personnels, de notre force, des humains que nous sommes. C'est la force de la République de Djibouti. Et en cela, je crois que le ministère en est conscient et donc met le poids sur pour appuyer sur ces différents leviers et donner à cette population la meilleure éducation qu'il mérite et se donner aussi tous les outils pour y parvenir. Je précise tout de suite que ce genre d'émission est spécial pour vulgariser auprès du grand public. Le projet transformateur de l'école djiboutienne ne va pas s'arrêter là. Je crois que nous avons un peu fait quelques tours de table. Nous allons clôturer pour le moment si les invités ont un message personnel. Voilà, tout simplement, je suis là pour, l'équipe est là pour dire également que dans les 5 ans à venir, c'est-à-dire cette année jusqu'en 2024, l'école djiboutienne sera transformée en une école de qualité. Et toutes les ressources et tous les moyens humains, matériels, sont mis à la disposition des responsables pour que cette école devienne une école transformée et de normes internationales. Très bien, donc, je crois qu'on va clôturer l'émission. Donc, la finalité, l'objectif final de ce projet transformateur de l'école djiboutienne, c'est d'arriver à une école où tous les enfants vivant sur le territoire national soit scolarisé avec un enseignement de qualité. Et aussi, il faut le préciser tout de suite, si le projet est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation, tous les acteurs doivent y participer, y compris les partenaires qui financent ces projets. Je crois que c'est un bel avenir qui se présente. L'école sera élargie. La qualité de l'enseignement, l'amélioration de l'éducation aussi, c'est un gage de développement pour l'avenir. C'est un gage d'avenir pour le pays. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission. Je crois que nous allons revenir aussi une autre fois. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Au revoir.